On a une crise qui est humanitaire. Les incidents de sécurité sont de plus en plus importants. Les personnes déplacées internes ne font qu'augmenter. Un dixième de la population burkinabè qui est déplacée de nos jours. Le système de santé, les services techniques sont souvent débordés et même dépassés. On a les formations sanitaires, certaines formations sanitaires qui sont fermées. Il y a par exemple des stratégies comme la clinique mobile qu'on a mis en place qui fait le tour donc des zones avec des concentrations de personnes déplacées pour faire des soins. Les enfants que nous aidons, c'est des enfants qui ont besoin d'assistance alimentaire. C'est des enfants aussi qui ont besoin de soins. On croise également des enfants en besoin de scolarisation. Et aussi, bien sûr, il y a des enfants en besoin, malheureusement, de soutien psychosocial. Donc, c'est demander vraiment à l'ensemble des bonnes volontés de nous accompagner vraiment pour qu'on puisse soulager ces populations qui sont majoritairement des enfants.